Toujours sur le front libyen, notre envoyé spécial à Tripoli, Mustapha Bagh, nous livre son témoignage. Pratiquement toute la capitale est sous contrôle rebelle. Ces derniers contrôleraient aussi l'aéroport de Tripoli. Mais je ne peux pas confirmer cette dernière information, car de violents affrontements ont lieu sur la route menant à l'aéroport et la rendent inaccessible. Des zones entre l'aéroport et la résidence du colonel sont encore entre les mains de Kadhafi. Certaines rumeurs disent que des militaires se feraient passer pour des rebelles en agissant et en s'habillant comme eux, portant même le drapeau de la rébellion. Et l'éventualité de ne pas maîtriser totalement leur organisation inquiète les insurgés. J'ai entendu que des militaires de Kadhafi utiliseraient la tactique de l'attaque avec délit de fuite. Enfin, la déclaration du fils Kadhafi à la presse étrangère après sa capture a créé la confusion chez les rebelles et dans l'opinion publique.